Bienvenue sur la chaîne de studio Nukarma. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un challenge Mère vos filles. Donc en fait, tu veux expliquer ou j'explique? J'explique les règles du jeu. Donc c'est quoi déjà la vidéo? Un télépathie challenge spécial Mère et filles. Voilà. Donc en fait, on va piocher un papier. Par exemple, là c'est fast food. Bah c'est un bonbon, c'est ça? Donc fast food, c'est où on mange McDo, Burger King. Oui. Donc en fait, fast food, il faudra écrire un mot sur notre ardoise. Oui, par exemple, si moi j'écris. Voilà, par exemple, nous si fast food, ça me fait penser à, par exemple, McDo. Bah, je vais écrire McDo et Luna, si elle met la même réponse, et bah, en fait, on a gagné un point chacune. Et on pioche pas de Jelly Belly. Voilà. Mais si on a, par exemple, moi j'ai mis Burger King et elle a mis McDo, et voilà. Bah, en fait, celui qui aura pioché le papier prendra un Jelly Belly. Voilà, le gage, ça sera de prendre un Jelly Belly pour les perdants. Voilà, donc on va commencer. C'est parti. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Je suis une licorne avec une crinière soignée. Elle est douce comme Beyoncé. Unicorn! C'est toi. Alors, Luna a dit que c'est maman qui commençait. Mais je pioche. Alors. Ah, ça commence bien. Donc, c'est un animal. Alors, les étiquettes, elles sont toutes petites, désolée. Un animal. Donc un animal. Un chat. Un lapin. Et que j'ai un Jelly Belly. Donc voilà, on va prendre un Jelly Belly. Et pour faire encore plus compliqué, on va tourner en rond. On va se servir de la petite roue. Et quoi? Ah, ça a bougé. Alors. Le bleu. Oh, d'accord. Un Jelly Belly bleu. Donc on prend tous les deux un Jelly Belly. Non, c'est que c'est la personne qui a. Non, c'est toutes les deux. Non. Ah bon? Oui, c'est là qui a pioché. T'es sûr? Oui, je regarde. C'est pas toutes les deux parce qu'on a perdu toutes les deux? Non. C'est celui-là qui a pioché le papier qui doit prendre un peu. Oh là là, c'est quoi ça? Tu dois le mettre à 3. Je crois que c'est dentifrice ou bébé bleu sang. Oui. 1, 2, 3. Bébé bleu. Allez, on écrit en même temps. Prête? Oui. À 3, 1, 2, 3. Carotte. Carotte. Et petit pois. C'est vert avec des petits points. C'est lui. Oh là là. Donc c'est soit crotte de nez. Je crois que c'est poire ou. Non, c'est soit crotte de nez. Poire et crotte de nez. Ouais, poire ou crotte de nez. Poire, je sais, c'est poire. Ouais, allez, vas-y. Tu pires trop. Poire gifleuse. Ah. Alors. On pioche 10 papiers chacune. Orbise. On dit soit la couleur ou soit ça. Bah, tu faut rien dire. On écrit. Pépiné.
Des boules. Billes. Boules, billes, c'est pareil en fait. Ouais. Donc on a marqué un point. Youhou. Donc on met tout en haut un point. Ensuite. Moi je mets pas comme ça, je mets pas comme ça. Oui, bah vas-y, comme tu veux. Ouais, un bâton, c'est mieux, t'as raison. Allez, ensuite. Couleur. Couleur. Alors, à quoi couleur ça te fait penser? Rose. Moi j'ai mis violet parce que je sais que c'est ta couleur préférée. Et toi t'as mis rose parce que c'est ma couleur préférée. J'ai vu que t'allais mettre rose. Donc c'est moi qui pioche. Moi j'ai vu que t'allais mettre violet. Donc c'est moi qui pioche. Voilà, j'ai eu béni. C'est moi qui tire. Non, c'est moi. Ah oui, c'est toi, donc vas-y. Du orange. Vomi ou pêche? Vomi ou pêche, ouais. Ah, t'as de la chance. Bon, allez, ça va te piocher. Elle est bonne la boîte là. Et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on refasse un deuxième challenge. On mange pas la bouche ouverte. Mmh. Le mot manger. À quoi ça te fait penser à manger? Attends, je vais. Attends, faut qu'on écrit le gros. Bon ben, on n'est pas très télépathique, hein, finalement. Oh là, chaussettes puantes. Tutti frutti. Je peux avoir un papier comme ça, s'il te plaît. On a de la chance. Ouais. On a que un point chacune. Donc voilà. C'est à toi de piocher. Alors. Jeu de. Jeu de société. Alors, à quoi ça te fait penser? Ça y est, t'es prête? 1, 2, 3. Qui est-ce? Qui est-ce? Ouais! On a un deuxième point. Et pas de jelly bean. On est déjà à 6. Donc on a la pioche 3, je pense. Alors, un deuxième point. Ah non, c'est moi qui viens de piocher, non? Ah non, c'est moi. C'est moi. J'avais pioché quoi déjà? Jeu de société. Télé. À quoi ça nous fait penser la télé? Fait penser par d'attraction. Attends, donne ton papier. Moi j'ai trouvé. Tu m'en as mis. Écris gros. Hein. Fini. 1, 2, 3. Manège. Nigeland.
C'est qui t'a été fait? C'est pas toi. Alors, bon, en vrai, c'est à moi de piocher. Oui, en vrai, c'est chewing-gum. Ouais, je me fais tomber un peu. Ah, pizza. À quoi te fait penser la pizza? C'est S-A-U. Bon bah. Et j'ai failli mettre son nom en plus. Donc c'est à moi de piocher, c'est ça? Un jelly. Ah. Alors attends, il est entre les deux. Oh non, soit chaussette puante, soit petit fruit. Est-ce qu'on a du bon la boîte? Je peux en prendre un? Non. Chaussette puante. Ah, dégoûtant. Redébois, papy, s'il te plaît. Oh, bravo. Dégoûtant. Oui, allez, vas-y. Bon, on va faire de la télépathie, là. Oui. Vêtements. Vêtements. Alors, un vêtement. Fini. Un, deux, trois. Robe. Ouais. Ouais, enfin on a fait de la télépathie. J'ai mis robe. Oh my god, j'ai cru qu'on arriverait jamais en faire. On en a trois. Bon allez, cherche. Là, c'est toi. Ah. Oh là. Piscine, à quoi ça te fait penser? Un, deux, trois. Bouée. Ça y est, non, mais on est chaud, on est fait de la télépathie. On a 4 points. Ouais. Bon, allez, vas-y. Console. Console. Ah, à quoi ça te fait penser une console? Ça y est. 1, 2, 3. Manette. PS4. Là, on n'est pas télépathie, c'est moi en fait qui avait. Donc c'est moi qui pioche un jeu. Allez, vas-y. Ah, le blanc. Soit couche pour bébé ou noix de coco. Ou noix de coco. Bon, c'est déjà bon, on n'a jamais de bébé. Moi, j'ai jamais eu de noix de coco encore. Jette pour bébé. J'aime bien les lâcher pour bébé. Bon, allez. On se plus beaucoup de papier. Non. Du slime, ça te fait penser à quoi? C'est bon. 1, 2, 3. Colle. Glu. Bon, glu, colle. Je dirais que c'est pareil. Donc, on a marqué un point. Alors, donc voilà. Du coup, c'était un challenge mère-fille. Du coup, on s'est dit avec Luna, mais pourquoi pas taguer des chaînes mère-fille. Donc, du coup, tu vas donner ta liste. Allez, vas-y, donne ta liste. Commence. Tu veux que je commence? Oui. Alors, du coup, j'ai tagué Maëlys Chanel. Ensuite, j'ai tagué Le Monde d'Iliana, Chloé et Jules, donc pour que Chloé le fasse avec sa maman, Meilana Aquarius, ma copine, et Love Sarah. Et alors, toi, tu as tagué qui? Le Monde d'Iliana, Les Folies de Loane, Swan Gouskis Magic, Récréaphone, Maëlia et Maman d'Amour. Donc voilà, on espère que vous allez relever le défi. Alors après, pour la nourriture, vous prenez soit des Jelly Belly, soit vous faites comme vous voulez, c'est vraiment vous qui décidez. Oui. Nous, on vous a lancé le challenge parce qu'on voulait voir si vous étiez télépathique autant que nous. Donc du coup, voilà. Dites-nous en commentaire si vous voulez que je le refasse avec ma maman ou avec mon papa ou aussi avec une de mes copines. Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et surtout abonnez-vous, ça nous ferait vraiment très plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne de maman, donc Amy Family. Et voilà. Je mets le lien juste là au petit i. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.